Bon ben il a l'air très beau ce truc. Il a l'air très sympa. La Déjà, peinture est pas mal. Hein. Très très beau. Ouais, la peinture est pas mal, je vois, il est bien, bien droit. Beau véhicule. Ok, on arrive, il est déjà en route et tout, donc ça c'est un gain de temps. Voilà, moteur est très très beau, donc c'est un 5 litres d'origine. 305. Voilà. On voit, hein, consommation. Tout d'origine, voilà. Ah, il est détaillé, boîtier de direction remanufacturé, les durites sont neuves, le radiateur est neuf. Il y a eu beaucoup de travail, hein. Beaucoup beaucoup de travail sur ce truc. Bon, les endroits, les endroits critiques sur ce truc là. Donc ça c'est impeccable. Tu vas nous le dire. Ici là. Les panneaux de porte sont en bon état, parce que ces panneaux de porte-là vieillissent très mal, ils cuisent au soleil. Ça, ta tableau de bord, pareil, craque avec le soleil. Là, c'est pas craqué. T'as vu l'intérieur de ce truc? Ah, il est très très beau. Donc on a très beau, les condamnation centralisée, on a vitre électrique. Ouais. Bon, bien sûr, DA, etc. Les petites besaces, là, pour mettre des trucs dedans. Donc il a le tonneau cover en rigide, hein. Ça, c'est une option quand même pas négligeable, ça vaut un peu de sous, hein. Ça, c'est Gaylord qui fait ça. Gaylord Hauser. Gaylord. Je crois que ça vaut 2000$, un truc comme ça. Ouais, en plus, il est capitonné, t'as vu? Il a le couvre-ben. Ça, c'est le genre de truc, il vaut mieux l'acheter quand t'es ici. Ah, bah c'est sûr, si c'est tu un dois livrable. Faire livrer ça, c'est même pas la Donc peine. Donc, il a également le liner en plastique à l'intérieur, non? Non, il est vraiment sympa. Ouais. Le pare-choc pour tower spécial. Bumper, towing bumper. Donc, c'est un pare-choc qui fait attelage. Je crois qu'il est temps de se pencher. On va se pencher sous la question. On dirait qu'il est sorti de l'usine. Voilà. Ouais. C'est vraiment une belle surprise. Hein. Bon, les quatre pneus sont rincés par contre. Ouais, les pneus, ouais. Ouais. Après, petit drop, tout ça, c'est neuf. C'est un bon petit pick-up, quoi. Là, franchement. Ouais. J'ai juste peur d'un truc. C'est qu'ils sont un peu chers. En fait, il faut trouver le client qui veut un véhicule de ce niveau de qualité-là. Ok. Bon, allez, on va aller faire un petit tour avec. On va demander à notre ami. Victor! Can we do a little test drive? Yeah, can I go with you or? Sure, sure. Ça roule bien, shift bien la boîte, tout ça, impeccable. Donc très agréable. Un petit peu tape-cul, parce qu'il a un kit suspension rabaissé, ressort court. Donc c'est un petit peu plus ferme que d'origine, mais bon, c'est pas non plus incroyablement désagréable. Donc là, le système à double réservoir fonctionne bien, on a essayé, la jauge se déplace. Donc, c'est un véhicule qui a deux réservoirs, un de chaque côté. Donc, ça double l'autonomie, c'est quand même pas mal. Avec le moteur de petite cylindrée, on va quand même pas exagérer, mais moteur un peu plus économique, bah, ça permet quand même d'avoir un rayon d'action qui est intéressant pour un véhicule un peu loisir de collection, c'est sympa quoi. Il a l'air de rouler très très bien, ce petit truck. Donc avec son petit kit de rabaissement, il a une très bonne attitude, il est bien posé par terre. Bon, j'ai l'impression que les quatre nœuds sont fatigués et on voit qu'il a certainement besoin d'un réglage du train avant. Au niveau du carrossage, les pneus sont un peu bouffés à l'intérieur. Mais à côté de ça, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il est ultra propre. Je reviens un petit peu en avance, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il est aussi bien à conduire qu'il est à regarder. Bon, si bah monsieur ouais. veut bien se donner la peine. Ah bah merci mon jeune ami, merci. Alors, petit débrief. Roule super bien.
smooth, bon 305 donc économique, ouais, hein, ouais. Voilà, mais bon il... Économique c'est l'euphémisme pour dire que ça n'avance pas, c'est la... ça tu n'avance vois, pas très fort. C'est le côté positif, t'as vu, je travaille ma positive attitude. Tu as raison. Je l'ai dit tout de suite, c'est économique. Ouais. Non, il est pas, c'est normal, hein, voilà, il shift très bien, il est smooth à conduire. Un petit peu ferme la suspension due au drop. Mais sinon, rien à signaler. Bon, 2-3 bricoles, j'ai vu la jauge de température fonctionne pas. Il y a 2-3 bricoles, quoi. C'est ouais. Bon. Mais sinon, impeccable. Le klaxon fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est bien, les suplaces, tout ça. Je pense qu'il y a un petit carrossage. Ouais, il y a régler, un para à faire. Ouais, il y a un para. Même je le sens à la conduite. Bon, ouais. Je pense qu'il l'a droppé sans faire le para. Parce que quand tu droppes, les roues font ça. Voilà. Donc, voilà. Et ça se voit, en fait. Ça fait comme un lowrider quand il est. Ouais. Quand donc, le besoin, triangle n'a pas été agrandi. Ça, 4 pneus, un para, 2-3 petits détails et ready to go. Hein. Ouais. Mm-hmm. Bon, maintenant, ce qui va être compliqué, c'est d'expliquer à notre ami Victor qu'il en veut un petit peu trop cher. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ici, ça a une valeur. Parce qu'ils sont recherchés. Ouais. En France, c'est pas encore ceux qui valent les plus chers. C'est pas ceux. Nous, qui on les aime ceux-là. Ouais. Donc bon, on a déjà fait. Moi, j'ai fait ma part, hein, j'ai fait mon boulot. Oui, bah. À toi de jouer, mon jeune ami. Hein, c'est son. Tu rentres en scène. Charlie rentre en scène. Moi, je suis gentil. Je lui ai dit, c'est génial, rouler en Californie dans un beau pick-up, blablabla. Ouais. J'ai préparé le terrain. Oui, mais est-ce que tu as préparé le terrain en lui disant les défauts déjà? Ah, je lui ai dit, bon, voilà, il y a ça qui va pas, la jauge, ne marche pas, il y a ci, il y a ça. Je lui ai expliqué, ouais. Je lui ai dit, voilà, nous on fait ça, c'est notre business, voilà. Donc j'ai préparé un peu le terrain, donc là, il faut pouvoir y aller gentiment et lui dire gentiment que c'est trop cher. De toute façon, ouais. Il le sait. Hein. Je pense qu'il doit le savoir, voilà. Puisque sinon, il l'aurait vendu tout de suite. Tout de suite, voilà. Et ça fait déjà 10 jours qu'il est en temps d'avance. Ok. Allez, bon, à toi de jouer, je te laisse rentrer en scène. Ici, un petit éclat dans la peinture. Hein. Mais c'est sa couleur d'origine, hein. Il est... Ouais, on voit dans les entrées, c'est la peinture d'origine. On voit qu'il a été repeint, bien évidemment, hein. On voit très bien que là, ça brille plus que là, hein. Oui. Mais c'est sa teinte d'origine. Ouais. Alors, super. Bon. Allez. Voyons voir. All right, Mr. Victor. No problem. So yeah, it's all nice and clean. There's always a little more than, you know, what we expect, so... Right. Yeah. Là, comme je l'entends là maintenant, je pense que ça va être faisable parce qu'il essaie de se raccrocher aux branches. Et la technique, comme on dit dans le jargon, du raccrochage de branches. Donc, il fait une offre. S'il n'avait pas été d'accord, s'il n'est pas d'accord dans notre offre, il aurait dit non, tout de suite, ferme. Là, il essaie de faire une contre-offre qui est un petit peu au-dessus pour essayer de se rattraper aux branches. Si on est ferme, ça devrait aller. J'ai fait mon rapport, ça marche comme ça. Je fais mon rapport technique et lui, ça lui donne des arguments pour pouvoir faire argumenter sur sa négociation. Moi, je pense qu'on est plutôt... Faudrait l'avoir à 20. Non, ouais, 20, c'est le max du max. Bon, c'est les années 80. Il est magnifique. C'est un très beau pick-up, ouais. Mais 20, faut pas aller au-dessus. Ouais. C'est trop dangereux au-dessus. Non. Ouais, c'est clair. Là, faut vraiment pas que tu lâches. Ouais. Et bah, écoute... Le v'là, justement. Ça arrive. Le v'là. Alors, Moret? Oh, yeah. Oh, yes, that please. Would be great. Thank you. Ouais. Bon, pour l'instant, il est encore un peu coincé à 22. Moi, j'ai offert 20. Ouais. Avec les 4 nœuds qu'on a fait, le parallélisme, les petits trucs qui marchent pas, etc. Et puis, tu vois, mis bout à bout, plus le transport. Ouais, ça va faire un gros montant. Ça fait un petit montant, mais en même temps. Yes, thank you. Thank you, Victor. Let me talk to my brother. Okay, yeah, sure. See, one owner original. Oh, it's the pink slip from the 80s. From the 80s. Alors là, c'est une petite anecdote rigolote. Ici, le title, ils appellent ça le pink slip. Donc au tout début, quand je venais ici, je ne comprenais pas pourquoi ils appelaient leur carte grise un pink slip. Ça n'a rien à voir. Okay. Il y a slip rose, qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, le pink slip, c'était un petit carton rose. Sure, no problem. Ils appelaient ça un pink slip. Et donc maintenant, depuis longtemps, c'est plus ça. Et c'est les titles originaux de Californie étaient comme ça. Ouais. Et tu vois, on voit que le title de 86, donc en fait, tu vois que le title, ici, tu as la date du véhicule. Voilà. Et ici, tu as le date issued, ça veut dire que c'est son ce title truc-là d'origine a été fait. Quand il était neuf. Donc c'est bien première main, effectivement. Première main. Yeah. No, it's a good truck. Yeah. All molding. Donc j'avais raison. You know,
Je me trompe rarement, je suis habitué maintenant. Je connais. Je suis plutôt content. Ouais, bon, c'est bon alors. Ouais, c'est pas mal. Donc, ouais. Voilà, bon. Je m'en doutais. On fait ça. Je me doutais qu'il y avait une ouverture et puis bon. Ouais, mais si tu veux, en fait, quand il me demandait si je ne voulais pas essayer de faire un peu plus, je savais qu'il me disait bon, bah, de toute façon, si c'est ça, je vais quand même accepter. Voilà. Donc, de toute façon, généralement, c'est mais... dans ce genre d'opération, c'est soit il est ferme, il dit non et c'est comme ça. Ouais. Et là, tu sais que t'es mort. Quand il commence à faire des contre-offres et ouais. chipoter un peu comme ça, ouais. tu dis ouais, au final il va lâcher. C'est vrai mais que ça en même temps, en même temps, très honnêtement, c'est pas l'affaire du siècle au niveau prix. Ouais. Par contre, au niveau état, ça c'est vraiment. Donc là, il faudra que tu trouves un client qui veut un pick-up de ces années-là. Alors attention, c'est une benne courbe, donc c'est quand même plus funky, plus Bien sympa, sûr. Mais qui veut un truc où il n'y a rien à faire, où c'est. Ah bah oui. Voilà. Bah on va trouver. Bah oui. On en a des bons clients quand même. Bah oui.